bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure, vous l'aurez compris, sur Dead Rising. Évidemment, je prends un petit kawa, ça fait plaisir, il nous reste 6 heures avant le prochain dossier, et on a des psychopathes à buter, évidemment, vous l'aurez compris. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir. Et on va essayer de trouver des guns, évidemment, parce que tuer un... Ah ! Oh putain, j'ai eu trop peur. Non, je bois. Oh, ok. Oh là là. Oh. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, waouh. Il y a des sortes de verres d'asticots bizarres. Ah, j'ai déjà utilisé, mais j'ai pas d'armes, j'ai rien. C'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, s'il te plaît? C'est quoi ça? Une boîte à outs. Vas-y, hein. Ça, je prends. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce qu'on commence mal cet épisode? Qu'est-ce que je branle? Voilà. Ça fait extrêmement plaisir. Et installez-vous confortablement. Oh, c'est pas vrai. Bordel. Ça va être dur, ça va être si dur. Oh, waouh. Ça va être si dur. Dégagez tous. Mais comment je vais tuer des psychopathes sans guns? Il me faut un guns. Oh waouh! Image sur le moniteur, rendez-vous à la salle de sécurité à 6h. Je m'en fous, j'ai un peu le time. Il me faut un gun. Où je peux avoir un gun? Il n'y a pas d'armurerie, c'est un magasin de jouets. J'ai l'impression que je perds mon time. Oh waouh! Là, je perds pas trop mon time, c'est ok. Ouh! Je suis ici, Franky. Non, mais frérot, je crois que t'as pas compris. Oh, c'est pas vrai, viens. Il me suit? Souris. Non, il me suit pas. Les amis, je suis extrêmement embêté. Comment tuer des psychopathes en voiture? Et avec une sulfateuse? J'en ai aucune putain d'idée. Voilà, Je cherche un outil, je cherche quelque chose. Peut-être un peu de magie, un skateboard. Oh là là. C'est quoi ça? Un cintre. Mais il me suit, lui. Il me suit. Bah vas-y, on le ramène, hein, ce dégénéré. Vas-y, viens, frérot. Viens. Non? Non, mais en fait, retour, mec. Tu sais comment on fait, non? Je pense que c'est juste un dégénéré, je pourrais faire avec lui. Ok. Bon, vas-y, reste ici, toi. Oh là là. Peut-être trouver un flic, ouais. Ouais, peut-être trouver un flic. Et 3 années se sont déjà écoulées depuis que le Willamette Barview Mall vous propose. Y'a pas un flic ici? Un zombie flic, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Y'a pas un flic ici? Prends une photo, mec. Non, y'a pas un flic. On fait, non? Lâche-moi, toi, je t'en conjure. Y'a un flic ou pas? Y'a un flic ou pas? J'aimerais juste un flic qui a un gun dans les mains. Je sais pas pourquoi je prends une photo, c'est pour le fun. Allez, un flic, s'il vous plaît, un flic. Tout à l'heure, il y en avait plein. Vous allez pas me dire que là, ils ont tous disparu, les mecs. Oh là là. Tiens. Oh merde alors, ça doit faire super mal ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en souviens pas. Merde alors, ça me fait mal. Bonsoir. Mais c'est incroyable. Ok, je bois. Putain, il y a aucun outil. Je ne vois aucun outil qui peut me permettre à tuer un flic.
Dégage. Je... Quoi? Oh putain. Yes. Un dernier gun. Je pense qu'il me faut au moins 2 guns. Vous êtes d'accord? Je pense qu'il me faut au moins 2... What the fuck? Une épée. Il y a eu des sacrifices ici. Oh, à mon avis, il y aura certainement un psychopathe là-dedans. Il me faut un gun, s'il vous plaît. Bon, on a eu un flic, donc un gun. Je suis assez content. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je prends quand même. Ok. Attends, on va aller prendre ça. Juste pour manger la laitue. Le skateboard, c'est plutôt pratique que je pense. Hein. Il y a des choses à faire en skateboards. Ok, je vais garder le balai. Un autre flic et je suis heureux, s'il vous plaît. Dégage, pétasse. Ok. Un autre flic et je suis heureux. Ok. Donc on vient de par là, très bien. Un flic et je suis heureux, s'il vous plaît. Un flic et je suis heureux. Ça, je crois que c'est bien parce que... En fait, il me semble que ça lâche des billes partout, c'est trop drôle. Regardez. Parfait. Voilà. C'est insolite. Oh, il y a un gun. Bien. Oh, c'est une matraque! J'ai un tonfa! Mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Mega Buster, je ne sais pas trop c'est quoi. Il y a un flic ou pas? Merde alors. Intervention. Oh, il est plus fort que les autres. Ok. Un dernier flic, s'il vous plaît, un dernier flic. Un dernier flic et je suis heureux. Non. Oh putain. Bah oui. Une petite save. Ok, un dernier flic et je suis heureux. Réel, hein. Vraiment, c'est tout ce que je dois. Bien. J'ai fait quoi? J'ai fait rond, c'est pour utiliser. Ok, j'ai eu peur. Dernier flic et je suis heureux. Mais vraiment, je fais chier plus personne. Je vous embête plus. Ça. S'il y a un dernier flic. Ok. Bon. On va l'avoir. Je m'en fous, je veux que cet épisode soit spécialement pour les 3 psychopathes de dehors. Après 30 balles, il faut pas que je me foire, c'est ça le problème en fait. Il y a des Michael Jackson. Oh, je l'ai. Ok. Dégage, salope. Excusez-moi, je vais être très vulgaire, je rappelle que c'est interdit au moins de beaucoup. Un flic, s'il vous plaît. Un flic? Un flic. Deux flics. Non. Sors ton appareil, on prend une photo. C'est un 3 guns. Je vous jure, je le fais. Je vous jure, je le fais. Bah t'en vas pas. Je vous promets que je le fais, c'est bon. Que je trouve. Space Rider de Wonderland Plaza est devenu incontrôlable. Il y a peut-être quelqu'un là-bas. Tu peux aller voir. Allez, let's go. Let's go. Je vais prendre une tarte à la crème. Et là, on est parti, les gars. Call of Duty Game. Hey, j'espère que les psychopathes récupèrent pas de leur vie. Il faut que tu saisisses le moment, Frankie. Allez, je peux le faire. Allez, encouragez-moi, s'il vous plaît. Let's go. J'ai des guns à gogo. Ils ont récupéré littéralement toute leur vie. Je suis anéanti. Je vais aller près des arbres pour esquiver, me cacher. Oh là là. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde?
Attends, mais c'est moi qui cours après des mecs en voiture. Mais par là, les bibiches. Évade de prison, hein. Tu vas voir un mon frère. Chiava. J'ai plus de balles, mais je peux le faire. Oh quoi? Ah! Je vais te réduire en bouillie, tu vas voir! Oh! Parfait. J'ai une sulfateuse? Ok. Hors de contrôle, c'est où, s'il vous plaît? Hors de contrôle. C'est incroyable ce qui se passe. Hors de contrôle. Comment j'y vais? Waouh. Au fond. Alors, tout droit, à droite. Mais ça a l'air fermé. Oh merde. Hors de contrôle, comment je peux faire? Waouh. On va partir tout droit là-bas, on va voir. On va voir les copains. Oh là là, je suis content. Je suis content de ouf. Je garde la sulfateuse ad vitam aeternam, hein, je vous préviens. Hein. Oh, on a réussi notre mission, ça a été dur. On a eu les trois psychopathes. Oh, je savais pas par contre qu'on pouvait prendre la sulfateuse, qu'on pouvait lui piquer en route. Parce que ça, ça aurait tout changé. Mais on l'a eu quand même avec trois guns, donc ça fait plaisir. Ok. Là, laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer le boss. Ok. Ok, des. Ensuite, c'est où? Par ici. Attendez. En vrai. Là. Je me sens un peu trop chaud avec cette sulfate. Ok. Oh, je sais pas ce qui se passe, les gars. Je suis excité. Ok. Frank, t'es à Wonderland Plaza. L'attraction la plus populaire ici, c'est le Space Rider. Je fais quand même attention, c'est pas un jouet. Ok. J'ai cru qu'il avait un truc intéressant dans les mains, mais pas du tout. Ok, c'est là. Qu'est-ce qui va se passer?
Oui. J'amusais toujours la galerie. Mais tout ça, c'est du passé. Quand les zombies sont arrivés, tout le monde est mort. C'est pour ça que j'ai voulu offrir à tous les gens heureux une place dans ce manège. Je ne te laisserai pas toucher à ce train, papy. Si jamais il s'arrêtait, les affreux zombies reviendraient. Et ça serait plus de tout rigolo. Ok, je vais le sulfater, mon petit père. Allez, ça dégage! Let's go! Gâchette facile! Oh là, il aurait été si dur si je l'avais pas! Il aurait été si dur! Ah! Ah! Ça a l'air de le chatouiller quand même, hein! Parfait. Ok. Parfait. Attends, je comprends pas. Parfait. C'est bizarre. Allez, niveau sup. Inventaire en plus. Oh, l'inventaire, j'en ai limite pas besoin. Attendez, parce que... Bien. Ah, merde alors. C'est l'autofocus. Ok. Bien. Ok, bon, écoutez, voilà. Très bien. Très très bien, il me reste 25 balles. J'ai fait ce que j'avais à faire, les gars, je suis ultra heureux. Là, je pense qu'on peut d'ores et déjà s'équiper pour l'avenir. On va penser à venir et on va penser épisode 5. Il est pas 6h du matin, j'ai nettoyé trois quarts de la games. Oh, des Adidas bien frais chacal. Attends, peut-être elle, non? Ouais, ah, attendez, on va se faire une petite tenue, on va se mettre frais, les mecs. Merde, c'est bon, j'ai même pas perdu de vie, je suis trop heureux. Oh, oh, les amis, je suis trop heureux. Mais par contre, il était si dur, mais imaginez, on n'avait pas la sulfateuse en vrai, hein. Parce qu'il se protège, hein, le chacal, hein. Ok, il n'y a pas d'abeilles par ici. Ça serait bien qu'ils allument les lumières, hein. Il y a un couteau. En vrai, pourquoi pas? Ça a l'air un peu tranquille ici, hein. Je sais pas vous. Je sais pas, y'a rien. Un extincteur. Pas dingue. Y'a rien, hein. Boutique de fringues, mais un peu éclataxe, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, ça a l'air un peu luxueux. Ouais. Ok, ok. Écoutez, on va faire le tour de l'autre côté. On va pas tout visiter, on va se garder quelques petites surprises, même si on est loin de Codette, évidemment, tout le centre commercial. Vous l'aurez compris. Bien. J'adore. Oh merde. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, let's go. Ok. Voilà, mon gars.
Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas frais ici? Attendez. Oh, ça, je préfère. Non. Je pensais que ça changeait de fringue, mais pas du tout. En fait, c'est un magasin, une fringue. Qu'est-ce qu'on a là? Ah. Parfait. Ok. Oh, il y a un t-shirt PP. Trop bien. Trop bien, trop bien. Il y a trop de trucs à pas louper, en fait. Faut vraiment ouvrir les yeux. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a un étage et tout. Oh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. On a eu le temps de faire des psychopathes. Non, on est super bien, les potes. On est super bien. Des cintres. Il n'y a pas des fringues sympas, là? Il n'y a pas l'air, hein? Il n'y a pas l'air. Ok, on continue. Et je vois pas qu'il y a l'abeille, là. Oh, faudrait que je m'habille en businessman. J'aimerais bien. Ouais. Voilà. Ça pique comme jamais ou pas? On casse la porte de la Gestapo. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Un accessoire, très bien, j'apprécie, pas qu'à moitié. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Ok. Bon, on fait le principal des boutiques, hein. On visite ça rapidos. J'ai vu quelqu'un à North Plaza. Il quittait le supermarché. Il avait l'air en panique d'ailleurs. Et on a dû s'en prendre à lui. North Plaza, c'est où? Oh non, me dis pas ça, Zinedine. Putain, on le fait ou pas? On le fait ou pas? J'ai plus que 14 balles, est-ce qu'on le fait? Allez, on espère un flic quand même, dans les environs, histoire de me choper une arme. J'aimerais aussi beaucoup... Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ok. Je suis trop repeint. Ok, écoutez, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Ah ! Putain ! C'est bon, c'est rien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok. Y'a pas un gun là? Y'a pas un gun là, les gars, s'il vous plaît? Allez, direction North Plaza. Putain, on est à la moitié, on est à la moitié. Y'a trop de choses, mais même la nuit, mais faut être un fou pour passer la nuit. Il se passe trop de choses. Désolé pour la luminosité, c'est vrai que c'est pas très agréable. Après, on est de nuit, on est chill. J'espère d'ailleurs que vous regardez ça de nuit. Ça pourrait être incroyable. North Plaza, c'est par là. J'ai 14 balles, pas plus, ni une de plus, ni une de moins, les amis. Ok. Franck, apparemment t'es à North Plaza. Ouais, je sais. Là, il y a un supermarché, une armurerie, une coutellerie et même un magasin de bricolage. Tu vas pouvoir faire ton shopping. Ouais. Oh. Y'a quoi là, s'il vous plaît? Non, qu'est-ce que je peux faire? David! S'il te plaît! Oh non, ouvre-moi, David. David, tu déconnes. C'est de l'autre côté. David? C'est de l'autre côté. Comment on fait? Comment on fait? Alors attendez. On va tout simplement aller de l'autre côté alors, hein. J'ai compris, hein. Oh, je suis monté dessus. C'est si chaud ici, frère. Non mais je l'emmène à la mort là, le David. Hein. David, non, pitié.
chier. Laissez-moi tranquille. Je suis avec toi, mon frère. Je te jure, je suis avec toi, mais va falloir que tu m'aides. C'est bon, calmez-vous. Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'un zombie? Qu'est-ce que je fais là? Vous voulez dire que vous êtes normal? À peu près. Putain, j'avais oublié que j'avais ça. Allez, David, je vais vous emmener dans un endroit sûr. Allez. C'est mieux qu'ici. Je vais pas aller loin avec ma jambe. Allez. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, votre jambe? Je suis allé chercher à manger au supermarché, mais... Il y a l'autre malade qui a essayé de me tuer. Il a dit que j'étais un voleur et je devais me punir. Il était complètement timbré. Un vrai détraqué. Écoutez, je peux pas vous laisser ici. Si vous pouvez pas marcher, je vais vous aider. Qu'est-ce que je fais là? Raison. Vous feriez ça? Vous êtes acheté. Ok, faut que je trouve un caddie. Merci. Quoi? Je sais même pas qui c'est. Ok. Oh, ça swing. Hop. Hop, 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 hop. Allez, mon David. Fais pas le con, mon pote. Fais pas le con. Tu peux nous être utile. Il y a un mec qui est mort, je ne sais pas qui c'est. J'ai aucune idée. Désolé. Putain. Allez, mon David. Tu tiens, tu résistes. J'ai pris de la viande chez le boucher, mais... Elle avait quelque chose de vraiment bizarre. Oh non, comment ça, David? Comment ça, David? Ok, c'est pas grave, David. Je te jure que c'est pas grave. Oh là là, les amis, je slalome ma vie. Non, David. Dégage ta mère! Oh non, David. Oh yes. Ok. Allez, mon dada. Wouh! Allez, let's go! On traverse tout le parc. Allez, mon David. Bon, les trois psychopathes ici. Pardon. Pardon. Quelqu'un peut m'expliquer là ce qui est en train de se passer? Les mecs, ils sont tous vivants. J'ai pété mon crâne. Je vais péter mon crâne. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. C'est fermé de l'intérieur. Non. Je suis trop stressé. Oh là là. Attendez. Je dois passer par où? Je comprends pas. J'étais persuadé qu'il y avait une entrée ici. Depuis quand je viens de North Plaza? Waouh. En fait, attendez, mais il y avait bien une entrée. Mais je suis fou. Non, il y avait bien une entrée. Il y avait bien une entrée. Elle est là. Non. Faut aller se faire foutre, David. Je te jure, je te lâcherai pas, David. Je te jure que je te lâcherai pas, mon David. Je sais pas ce qu'il a sur lui. Il a une sorte de pépitas d'or. Je te lâcherai pas, mon David. Allez, allez!
Putain, c'est intense. C'est intense. Je te lâcherai pas, mon David. J'ai peut-être pas sauvé le plus grand des héros. J'ai peut-être pas sauvé celui qui nous sauvera. Mais putain, t'es un être vivant, mon David. Et je vais faire de toi quelqu'un qui racontera l'histoire. Ok. Esquive. On va passer par là, David. Ok. Superbe. Ok, c'est par où? C'est par là, non? Yes. Oh, putain de merde. Allez, on peut le faire, les petits pères. On peut le faire. Hop, esquive. Hop, double esquive. Il a un couteau, en plus, qui fait la taille de ma... Hop, excusez-moi, monsieur. Excusez-vous. Hop, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Désolé. Je perdrai un peu plus de temps avec vous plus tard. Allez, je m'en bats les couilles, mais... On y va ensemble. David, je sais pas comment s'en est sorti, mon petit père. Oh, putain. Allez. Putain, on peut encore marcher, hein, David, hein. Cet endroit, comment dire, c'était pas vraiment la porte à côté. Oh, je suis heureux. Allez, compétences acquises, charge. Oh, let's go. Écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Maintenez R1 et R1 pour une charge puissante. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Et on va encore profiter de la nuit, évidemment. Quoi? Non mais attends, il est même pas 6h. Hé, hey, Franck, vous pouvez m'aider? Hé. Hey. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme il y a l'hélicoptère et le reste, on doit travailler ensemble. Mais c'est pas pour autant qu'on peut tout vous dire. Et tout ce qu'on vous dira ne pourra pas forcément être publié. Ouais, et donc? Donc, je veux juste m'assurer que les choses sont claires. Bah, on est envahi de zombies. Ouais, j'ai l'impression que les choses sont on ne peut plus claires. Des zombies. J'arrive toujours pas à y croire. Quelle histoire de dingue. Ça va aller? Ouais, ça ira. Tu devrais te reposer, Brad. Non, vas-y, tu peux dormir en premier. On se relaie d'ici 4h, ok? Ok. Eh ben écoutez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et à bientôt. Évidemment pour la suite de notre épisode, avec notre épisode 5, pardon, de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.